Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce jeudi 1er décembre 2016. On commence décembre dans la neige. Nous sommes justement là à Mont-Louis avec le pêcheur affirmé et la déneigeuse de la municipalité. Et oui, nous avons nous aussi de la neige comme un peu partout au Québec. Donc, et Environnement Canada a émis d'ailleurs là, un avertissement de neige pour les secteurs allant de Grande-Vallée à Sainte-Anne-des-Monts. C'est en fait un important système météorologique qui nous vient du sud du Québec. Les gens du sud du Québec sont fins, nous envoient tout ça. Ça va traverser là, la région aujourd'hui, au courant de la journée de demain, et ça pourrait se poursuivre là, jusqu'au courant de la nuit. Les accumulations totales de la neige seront de 15 à 30 cm. Ils pourraient même atteindre 40 cm là, dans les terrains là, plus élevés en Gaspésie. Donc, sur ce, votre météo, après l'avertissement d'Environnement Canada. Pour ce soir, cette nuit, bien, la neige se continue. Nous aurons là, un 10 à 15 cm d'ici le réveil demain matin. Les vents seront de l'est à 40 km/h avec des rafales à 60. Le soleil se couchera à 15h32. Pour vendredi, la neige se poursuit. Une accumulation de supplémentaire de 5 cm. Les vents seront du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50. Les températures demeureront stables à près de plus 1 au courant de la journée et le minimum sera de moins 1. Pour samedi, ben, la neige va être partie, ce sera nuageux. Il y a quand même là, un risque, un 60% de probabilité d'averse de neige. Le maximum sera de moins 1 et le minimum sera de moins 6. Au niveau de l'agenda, avec la neige dans les yeux. Dimanche, le 4 décembre, entre 8h30 et 12h30, les Chevaliers de Grosmont vous invitent là, à un déjeuner communautaire qui sera au profit de la fête de Noël des enfants de Gros-Morne. Ça se passe au centre sportif de Gros-Morne, bien évidemment. Donc, dimanche matin, faites une pierre deux coups, allez profiter d'un bon petit déjeuner et soutenez une bonne cause. Toujours dimanche, mais cette fois à 13h30, vous êtes conviés à un spectacle de chant de Noël qui est organisé par la Fabrique de Sainte-Marie-de-Madeleine. Le spectacle aura lieu à l'église de Madeleine avec les musiciens Roland Darrèche, Louisette Lévesque et Vincent Paquette. Le coût des billets est de 10 $. Si jamais cette activité vous intéresse, vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant au 418-393-2480. Et en terminant, ben, on désire vous rappeler que la bibliothèque, les bibliothèques du réseau BiblioGym, dont celle de Mont-Louis, Gros-Morne et également celle de Mont-Saint-Pierre, organisent pour les enfants de 10 ans et moins un concours de coloriage de dessin. Vous devez vous procurer les dessins dans votre bibliothèque locale et les soumettre une fois coloriés au plus tard le 10 décembre prochain. Donc sur ce, on vous souhaite un bon pelletage et on se retrouve demain, encore dans la neige, pour un autre Météo Express.